Hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue. Et un qui est mort de rire dans son sommeil avec son petit soleil par-dessus. C'est le petit Iowa. Et Iowa, ben, il récupère un petit peu de ses nuits de folie là, mais bon, il est va être 14h, donc tu vas te lever un petit peu, mon chou. On a la petite musique qui va bien. Ça met dans l'ambiance. Qu'est-ce que t'aurais de bon à manger, mon coco, pour qu'on te mette un peu en jambe? Oh, bah oui, tu t'es défait à bouffer. Nickel! Tu danseras un petit peu pour l'audience et puis je pense qu'après il fait beau et tout. Bah écoute, tu vas aller creuser ça. Je ne sais plus à quelle heure on avait fini le temple la dernière fois. Bah il est toujours en congé le temple. Pour l'instant il se refait une beauté. Et ici, ben ouais, je sais plus par où on va par là. Ah ouais, on allait ici, mais on a déjà été. Bon, en vrai, on va juste attendre que le petit ce temple se remette en jambes pour y retourner. Hein. Bon, ça, c'est la partie qui vous le plaît mieux dans ce let's play. Hein. Ah, si j'avais pris une fille, ça aurait pas eu la même saveur. Mais Iowa, je savais qu'il allait cartonner ce petit sexy man. Bon, je me suis dit, vu qu'on avait encore un peu de temps devant nous, et que pour son aspiration, on doit trouver authentifier 5 objets anciens d'une qualité excellente. On avait un peu manqué de chance la dernière fois parce que c'était à chaque fois médiocre. Eh ben écoutez, là on va tenter, hein. On va espérer que ce soit un petit excellent, comme ça on passera à l'étape d'après, un petit peu, bon après c'est pas obligé que ce soit maintenant, mais autant gagner du temps quoi. Eh ben voilà, une étape terminée, il a trouvé quelque chose en parfait état, en excellent état, donc maintenant il nous reste à écrire un bon livre sur la compétence archéologie et donner un cours d'archéologie réussi. Bon par contre là il se sent complètement seul, bichon, donc tu vas essayer d'appeler SOS Tristesse là, tu peux pas, ah mince, bon bah, on va essayer d'appeler quelqu'un. On va discuter avec Carla, Erika qui est toujours en forme, hein. Les autres ont pris un coup de vieux, mais Casey aussi est encore, elle est encore vivante, et tu vas appeler Sophie, ça te fera du bien, comme par hasard que des meufs, hein. On va aussi essayer de trouver, de finir je sais plus comment ça s'appelle, truc de recherche de, voilà, hein, pour au cas où s'ils trouveraient des trucs intéressants du style des bouts de reliques, hein, ce serait cool. Bon, moi je pense que pour Iowa, ce sera une petite nuit au calme à la location, hein, qu'il n'ira pas parcourir le temple ou s'il s'ouvre dans la nuit, eh bien il ira quand même demain matin, tranquille. Allez mon bichon, mets-y du cœur, plus vite t'as fini ça, plus vite tu pourras te coucher. Ça va, il est même pas 22h. Oh, quand même. Youhou, braval! Allez, tu vas me faire un petit peu de simrumba et puis après tu pourras aller te pieuter parce que tu l'auras mérité. Oh bichon. Bah ça va mieux hein, dès qu'il y a un peu de musique hein, quand même. Oh là 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 là, c'est déhanché. C'est vrai, hein, non, mais je vous comprends quand même en voyant ce petit Sims. Bon, bah c'est un tas de pixels, quoi, mais quand même, ça fait son effet. Oh là, oh là, oh là. Ouh, oh le boule. Oh, le boule qui chamboule. Oh, yo, wow. Oh là là. Arrête de me faire des émotions comme ça. Et pendant qu'Iowa est parti dormir, vous voyez bien que la porte du temple est toujours fermée. Mais je guette. Ta-ta-ta-ta-ta! Le temple est prêt pour recevoir quelques coups de machette et la visite de notre Iowa préféré. Oh, et c'est le retour de l'été aujourd'hui. Bon, il faut le remettre un peu d'aplomb là, le petit, mais un petit pipi, une micro-douche, un bon plat de pâtes, et ce sera bon. Faudra vraiment que je lui prenne un vélo quand on sera rentré à la maison, comme ça il ira 10 fois plus vite hein, dans la jungle. Allez, c'est parti! Pour peut-être le dernier temple de la semaine, je pense, parce que le temps que ça se régénère et tout, mais on verra bien. Bichon, il a perdu sa petite machette encore. Oh. Surveillance attentive. Lors d'un trek dans la jungle, Iowa observe les oiseaux à travers la canopée, lorsqu'il manque de trébucher sur un œuf très étrange. Un oiseau de proie est perché à proximité et semble lorgner l'œuf d'un air affamé. Que doit faire Iowa? Essayer de faire partir l'oiseau, surveiller et protéger l'œuf. Une surveillance archéologie élevée permet de meilleurs résultats ou vaporiser l'oiseau. Et bien sûr, surveiller l'œuf. Suspecte cet œuf d'être une créature légendaire décrite dans de nombreux contes folkloriques. Nanana, la gentille adorable créature en sécurité. Bénédiction pour remercier. Bah ouais, c'est tout, bénédiction, on n'a pas eu d'or. Oh, allez, on va au temple. Et nous voilà au temple! Je sais plus combien de temples on en est là pour la semaine, et bon, on verra.
Ah, c'est le temple où on doit se mouiller, littéralement. Alors, attendez, descends là. À chaque fois, je sais jamais si c'est ici. Bon, de toute façon, il doit aller jusque-là. Donc, c'est à lui de voir comment il y va. À pied, en courant, en volant, en marchant, en nageant, en roulant, peut-être aussi quand il aura son vélox. Mais pour l'instant, on va nager un petit peu. Et hop là. Tu vas donc examiner ça. Oh, et on peut revoir son corps de rêve. Hein? Graou, graou. Ouin, la fin des vacances dans un jour. Alors, pour les petits squelettes, nous avons deux noms et un peut-être. Et nous avons aussi ce truc-là. Alors, aucun de ceux-là? Bah écoute, non, qu'est-ce que tu veux faire? C'est forcément ici. Hein. L'arme du guerrier de droite. Voilà. Hein, messieurs, excusez-nous, on va vous déranger, mais pas très très longtemps. On va tirer sur le bras d'un d'entre vous, mais ça va bien se passer. On va pas vous le casser, votre bras. Yes! GG! Deuxième salle, on va descendre. Nous allons donc examiner ceci. Et puis c'est tout. Ok, super. Alors, ça donne quoi de peut-être? Allez, on va mettre du soleil dans notre vie. Vous allez voir, ça va être l'autre. Non, c'est bon! Oh yes! Ah, c'est du tout bon là! C'est du tout bon. Donc ici, nous avons quelques squelettes. Des squelettes ici, des squelettes là. Et puis un homme-nom. Voilà. Et oui, hein, bon, je pense qu'on en a fait déjà. Ou alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà tombé sur un temple différent. Parce que là, je pense qu'on a vu tous les exemples de temples. Parce que ça, ils se ressemblent tous un petit peu. Mais celui avec l'eau, c'est toujours celui-là que j'ai. C'est le même en fait. Hein, donc peut-être qu'il y a encore un pattern que je ne connais pas. Mais qui sait? Pour les squelettes, nous avons un nom et deux peut-être. Pour le nom-nom, je sais pas, il apprend quoi en fait là? Il apprend le charisme! Ah ouais! D'accord, je savais pas qu'à la phase du nom-nom, t'apprenais le charisme. Pourquoi pas, pour lui faire du charme, pour lui charmer ses petites, ses vieilles pierres peut-être. Et pour lui, nous avons un nom et trois peut-être. Tu vas complimenter ses sculptures parce qu'avec le charisme, je me dis... Ah non. Non. Zut, flûte mince, tu vas lui faire une blague de squelette alors après. Parce que ça me fait marrer. Qu'est-ce que t'as, bichon? Tu vas être tristoun. Waouh, c'est juste que sniff sniff, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Ayowa se sent si sniff seul? Pas d'amis? C'est vrai. Sa famille le déteste? Bah, il en a pas. Son chien est mort? Il en a pas eu non plus. Oh là! Ayo cherche à voir dans la porte, c'est vrai qu'une faim de loup. Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est la loose. Mais t'inquiète, tu vas manger, on a de quoi faire, mon coco. Oui, tiens, mange un avocat, mange un sandwich et mange une banane derrière. T'inquiète, on va pas crever comme ça, ne t'inquiète pas. Bon, pour le coup, on se retourne vers les squelettes, hein, messieurs, dames. Oh putain! Y'en a pas de bol, hein! On a vraiment pas de bol pour le coup! Vas-y, essaye l'arme de droite parce que c'était le même que tout à l'heure, mais bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois on nous troll. Et c'était ça! Depuis le départ! Pas de chance, pas de chance. Alors, tu vas venir creuser ici, et tu vas venir examiner ici aussi. T'inquiète, après, je te ferai prendre ta petite douchette. Ah, t'as plein de trucs à examiner. Donc, t'as du taf. Tu t'inquiéteras de sentir mauvais plus tard, mais regardez ça. Il assure même quand il est sale et quand il pue. Hein, vous aussi, d'un seul coup, vous l'imaginez vous l'aider sous la douche pour aller mieux? Oui, moi aussi, hein, moi aussi. Alors ici, il n'y en a aucun. Tu vas aller voir les squelettes. Effectivement, il n'y en a aucun ici. Bon, il a plus de petites douches miracles là, en bouteille. Du coup, il est un peu dissipé là. Il a un peu pas envie de se travailler. Pour les squelettes, nous avons deux noms, hein, peut-être. Ça se jouera avec celui-là. Alors là, eh ben écoute, tu vas faire une offrande en glyphe-feuille. Je sens pas bien, mais on va toujours tenter le coup. Oh non, c'est pas bon. Tu vas tirer sur l'arme du guerrier de gauche, du coup. Hein. On se fait trop les deux à la tête aujourd'hui. C'est spécial, squelette. Voilà, on s'est fait eu. Mais on y arrivera, Iowa. Ensemble, tous les deux, on y arrivera. Voilà, dernière salle d'ouverte. Et tu vas viendre tout de suite, hein, tu vas pas te dissiper, mon petit. Ah, bah, on a fini! Oh, et en plus, on a déjà fini le templouze, si c'est pas parfait, tout ça. Voilà, tu vas m'ouvrir ces trésors et ce sera très bien.
Premier trésor d'ouvert, une base de reliques de l'observateur. Après, un engin matériel à l'aventure. Très bien. Bon, ça va mieux. Regardez, il a de la confiance. Il se la pète un peu, mais... Toujours aussi beau gosse. Alors, dis-moi, une balle en palso. Une Pereira crâne en diamant et or. Et encore du truc muche bidouche bidouchouette. Et le petit coffre, le dernier de la semaine, puisque de toute façon, vu l'heure, on n'aura pas d'autres coffres, hein. Ouais! Oh là, c'est Max de Simflouz là! Oh, la collection complète! Mais on les avait déjà, les trésors omnisquins? Attendez, attendez, je ne sais pas. La collection trésors omnisquins est complète. Vous allez recevoir une plaque toute neuve rendant hommage à cette réussite. De toute évidence, c'est bien mieux que d'exposer une collection des trésors en or et décorée avec des pierres précieuses. Une relique de Tote Keyama, une Perereka surfeuse en hématite et en or, une base de relique du chaos. Attendez, 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 je vais aller voir dans l'inventaire. Nous avons donc une nouvelle grenouille. Ok, est-ce que c'est ces trésors-là, du coup? Parce que là, je m'y attendais absolument pas. Moi, vous savez, je suis limite plus sur les, sur tout ce qui est les fossiles et tout, avant d'attaquer autre chose, quoi. On a ça, d'accord, on a une canette soda de Faraday. Nous avons plein de nouvelles bases de reliques. On avait une tête de Tote Nyama, super. Bon, alors, parlons de palso, on est un peu mal barré quand même. On est un peu mal barré, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ah, des chutes d'or bouteille, mais c'est merveilleux. Donc voilà, et ils nous disent quand même qu'on a une collection de fêtes. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais oui, la trésor omnisquin, tout ce qui est grenouille et assiette, on a tout. Oh, oh la vache! Oh la vache, c'est trop cool! Je m'attendais pas à la compléter là comme ça, je vous le dis tout de suite. Donc on a tout ici. On a tous les objets anciens qu'on avait déjà vus, donc qu'on avait découvert déjà il y a un moment. Sinon, pour les autres, le fossile, j'ai toujours un fossile à trouver, un spécial Salvadorada. Les éléments, il m'en manque toujours deux. Et les cristaux, il m'en manque quand même 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça fait quand même beaucoup au niveau des cristaux, on va pas se leurrer. Hein. Avant de partir, on fait un petit pipi. Dans un buisson. Oh, regardez comme c'est beau. Comme c'est beau, là. Bon, avec toi, avec ton buisson dégueulasse. Mais sinon, regardez comme c'est beau, ce temple-là, avec la lune. Magnifique. Bon, bah, de toute façon, il a envie de retourner. Allez, dans la file. Oh, putain, il se fait attaquer. Bah, voilà, mais ça, c'est toi, ça. C'est ta faute, aussi. Bouge pas. Mais voilà, il va arriver. Dans un nombre d'adrénaline, s'apprête à esquiver leur attaque grâce à de longues heures d'entraînement qui lui ont permis d'être en pleine forme. Allez, on retourne à la location, mon petit chou. Oui. Ah oui, bah je sais, il est 20h, 20h30, mais tu vas prendre le temps de rentrer en petite foulée. Il fait 22h, ça fait 1h30 Sims qu'il est parti du temple. Vous imaginez le temps qu'on perd au final? Bon là, parce qu'on a, on sait qu'on n'a plus rien à découvrir, mais c'est long. Oh, première chose, mon chou, tu vas te prendre mieux qu'une douche. Nous avons ici une baignoire. Tu vas te prendre un bon bain de mousse parce que tu l'auras bien mérité, mon coco. Bon, il va manger, il va téléphoner à ses copines. Bon, il fait un poil tard, donc je pense pas que les gens vont répondre, mais bon. Merde, j'allais dire, même il va appeler les petits Pixel pour l'inviter sur le terrain, mais même Pixel qui a un téléphone portable, je vous rappelle, c'est déjà pas mal. Thor, bichon. Ah, il discute avec Erika. Elle a pas l'air de l'envoyer bouler, il est 1h du mat, en même temps c'est une vampire, mais quand même, on sait jamais. Hein. Bon allez, c'est une bonne raison pour aller spioter, ça ira mieux demain, de toute façon tu rentres chez toi et tu pourras revoir ton Erika. T'es de bonne humeur mon chou? Ouais, t'es tristoune, hein. Vas-y, il est quelle heure? Il est 8h du matin, appelle les autres. Tu sais, avant qu'elle meure. Histoire que tu puisses discuter avec eux, avec quelques petites personnes. Pour aller mieux, et puis qu'est-ce que tu peux faire? J'ai rangé la table d'archéo. J'ai un petit peu dansé en attendant la fin des vacances. Oui. Oh là 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 là! C'est chaud! C'est bouillant! C'est chaud bouillant. Non, franchement, il n'y a pas à dire, hein. La Sim Roomba, le développeur qui a fait l'animation. Je sais pas, mais c'était une fille, hein. On sait pas, hein.
qui a imaginé ces pas de danse sexy et forcément ne savait peut-être pas qu'Ayoa allait les faire et... Ça prend tout son sens, on se dit que c'était fait pour lui. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh qu'est-ce que tu nous... Ah oui, qu'est-ce que... Oh! Oh bah d'accord. Oh je sais pas ce qu'il a fait par terre mais j'aurais bien voulu être le tapis moi hein. Ah dis donc, ou les lattes de plancher, hein. On va pas dire non à Iowa Jones quand même. Regardez-moi là. Oh mamma mia, grazie mille. Spaghetti, pizza, calzone. Ouais, je parle bien italien. Oh là, oh là, oh là, oui. Oh. Oh d'accord. Ah oui, non mais c'est des nouveaux pas, ça, je les avais jamais vus. Hein. Bon, allez, je vous fais ce petit cadeau et je ne parle plus. En attendant que les vacances se terminent. Tout bientôt, je pense. Et voilà, il fallait pas attendre très longtemps. Allez, on est reparti. On rentre à la maison. Ah, ça a beau être l'été. On rentre. Hein. Vas-y, tu vas me prendre une petite douche sous la pluie, là. Fais-nous plaisir, Iowa. Mets-toi nu. Oh. Voilà. Faut pas déprimer, les enfants. C'est pas parce qu'il est rentré chez lui que... Voilà. Ah là là. Oh oui. Ah oui. Ah oui, douche-toi bien. Ah oui, tous les recoins. Si tu veux, je peux t'aider, moi. Et on a payé déjà les factures. Donc au moins, ça, c'est fait. Et puis ben, écoute, tu peux appeler tes amis pour de bon, hein. Ou c'est vrai, discuter avec les plantes. Comment elles vont les plantes ounettes, hein? Est-ce qu'elles se sont bien, est-ce qu'elles sont bien sorties sans nous pendant une semaine? Apparemment, oui, elles sont pas mortes, donc c'est une bonne chose. Regardez-moi ça, ces petites plantes lui ont bien remonté le social, ça fait plaisir. Du coup, bon, on va s'atteler à l'écriture d'un livre sur l'archéologie, puisque ce sont les seuls livres que nous pouvons écrire, en tout cas commercialiser et gagner de l'argent avec. Et ce sera Archéologie pour les nazes, volume 1. Puisque c'est dans son inspiration, il faut écrire un bon livre sur la compétence archéologie, donc bah, je vais lui coller tout de suite. Et il en profite pour se prendre un petit niveau 5 en compétences écriture, et ça c'est cool. Bravo, Iowa a terminé d'écrire tout un livre. Le livre sera ajouté à son inventaire pour qu'il puisse le lire plus tard. Iowa peut également publier. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire, on va le publier parce que nous, on veut gagner. Et oui, on va gagner des pépettes, exactement. Bon, s'il te plaît, arrête de balayer et appelle plutôt Sophie. Hein. On va la faire venir, on va lui donner un cours. Alors, les Perereska, c'est dans les murs fendillés qu'il y a des lianes, tu vois. Et quand tu casses tout avec ta petite pelleteuse, là, tu casses tout. Et puis, t'arrives à faire un truc trop cool. C'est grand et tout. Mais c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Et je me dis, ouais, je suis le boss. Et elle dit, ouais, c'est vrai, t'es le boss. Ah, bravo, t'es le boss. Et nous avons terminé l'aspiration numéro 2, qui est donc l'aspiration érudit en archéologie. Et c'est trop cool. Il a donc... La civilisation Niskan n'a plus de secret pour lui, trait de caractère obtenu, mécène du musée. Et Iowa peut désormais donner des objets au musée simpsonien. Non ! Il aime aussi davantage passer du temps au musée que les autres Sims. Et ben c'est une super nouvelle. En tout cas, on a terminé une nouvelle aspiration, c'est-à-dire que la semaine prochaine, j'en sélectionnerai une autre qui est avec la fortune. De toute façon, nous en avons deux. Je vais voir laquelle je vais faire en premier et je vais les comparer les unes aux autres. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir regardé avec Iowa. Tant qu'à faire, il va discuter avec sa pote. Hein. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du richissime archéologue. Et en attendant, pour me soutenir, vous n'hésitez pas à partager ma chaîne pour tous les moyens possibles. C'est le meilleur moyen. Des gros bisous. Ciao.